Le tableau numérique interactif est un outil incomparable pour tout travail collectif sur l'image. Il fait des images des objets mobiles qu'il est facile de déplacer, d'agrandir, de cacher, de révéler et d'annoter. Plusieurs méthodes permettent d'insérer une image dans une page de tableau. Première méthode, si l'image que l'on souhaite insérer est un fichier disponible sur son espace de travail, on utilise le menu Insérer. Dans la barre des menus, on choisit Insérer puis Fichier d'image. On sélectionne dans son espace de travail le fichier image que l'on souhaite insérer et on valide par ouvrir. Dans la page du tableau, on peut redimensionner l'image à l'aide de la poignée ronde située dans l'angle en bas à droite de l'image. On peut également insérer l'image par un glisser-déposer du fichier. L'explorateur étant ouvert sur l'emplacement du fichier, on sélectionne celui-ci et on le fait glisser sur le bouton Smart Notebook de la barre des tâches. La fenêtre de Smart s'ouvre, on glisse le pointeur dans la page et on relâche la pression du stylet ou du doigt, ou si on travaille sur l'ordinateur, on relâche le bouton gauche de la souris. On peut ensuite redimensionner l'image et la positionner dans la page. Deuxième méthode, l'image appartient à un document quelconque, une page web par exemple, on procède alors par copier-coller. Lorsque l'on se trouve sur la page web désirée, on effectue un clic droit sur l'image pour choisir la commande « Copier ». Dans la barre des tâches, on clique sur le bouton « Smart Notebook », on effectue un clic droit dans la page et on choisit « Coller ». On redimensionne l'image et la positionne dans la page. Pour coller l'image, on peut également utiliser la fonction correspondante dans la barre des outils. On peut également insérer l'image en réalisant un glisser-déposer directement depuis la page web vers la page du tableau. Troisième méthode, lorsqu'on a besoin de faire une image de la totalité ou d'une partie de l'écran, on utilise l'outil capture d'écran. Dans la barre d'outils, on prend l'outil capture d'écran, on affiche l'écran dont on veut obtenir l'image, ici un tableau appartenant à un document Word. Dans la fenêtre de capture, on décoche la case « Capturer dans une nouvelle page », puis on choisit « Capture de zone ». On délimite la zone que l'on souhaite capturer et on relâche la pression du stylet ou du doigt ou le bouton gauche de la souris. L'image est insérée dans la page active du tableau. Quatrième méthode, dans certains cas, les images que l'on souhaite utiliser sont disponibles dans la galerie de ressources. Dans le panneau latéral, on active la galerie. Dans la galerie, on sélectionne le dossier de ressources désiré. Pour insérer les images dans la page du tableau, on procède par un simple glisser-déposer.